Aujourd'hui, on va découvrir ensemble cette scie Evolution Power Tool, donc la Rage 5S. Je fais cette petite intro parce que vous allez probablement me trouver relativement critique quant à cette scie de chez Evolution. La seule chose que je vous demande, essayez de regarder un petit peu pourquoi je le suis, tous les détails mis en évidence dans cette vidéo, et puis d'écouter la conclusion que j'en fais à la fin. Salut à tous, c'est Sylvain. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble cette scie sous table ou scie sur table, ça dépend comment tu le vois, de chez Evolution Power Tools, donc le modèle Rage 5S. Donc une scie de 255 mm, mais ce que je vous propose, c'est qu'on va la déballer et puis on verra les caractéristiques au fur et à mesure du déballage, de l'assemblage, des tests, etc. Donc on va s'ouvrir le carton, on va regarder un petit peu comment c'est fichu à l'intérieur, si c'est plutôt préassemblé ou pas, et puis on va se monter ça, et puis on va bien sûr on va le tester, parce que l'intérêt de ce genre d'outil, c'est d'être utilisé et d'être testé. Allez, on s'ouvre ça. Donc comme tu vois, le carton est plutôt de belle taille, donc ce qui laisse supposer que une partie est déjà préassemblée. Donc nous allons voir ça. Alors, voilà comment ça se présente. Visiblement, lors du transport, ça a pris un coup, mais ça semble intact. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une clé Allen et puis probablement une notice d'utilisation, du tuyau pour l'aspiration, hop, de la tubulure. On va se mettre ça là. Un petit carton, je suppose, d'accessoires et autres. Et toute la partie ici, donc, avec la table qui est à l'envers, on va sortir tout ce polystyrène. Je vois qu'il y a ici. Il y a un guide. Ok, donc j'ai enlevé le carton, tout ça. On la voit donc sur la partie inférieure, enfin par le dessous, du coup ça laisse un petit visuel sur le moteur, sur la partie bâtie. Donc le bâti est full, tout en plastique. C'est plutôt bien réalisé avec la table en aluminium. Moi, je t'avoue, bon, sur les machines d'aujourd'hui, on utilise des machines un peu d'atelier comme ça, et celle-ci est transportable, on va le voir, parce qu'on peut la plier et la faire rouler, donc ce qui est très bien. Je t'avoue que moi, le plastique, ça me fait toujours un petit peu peur. Mais bon, la scie, le bloc scie est monté globalement sur la table qui, elle, est en aluminium, donc ça laisse quand même présager une plutôt bonne qualité. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais installer toute la tubulure et qu'on puisse la mettre sur ses pieds et qu'on puisse voir un petit peu plus en détail. Bon, alors tu vois, je suis en train d'assembler le piétement de cette scie et déjà, ça me plaît qu'à moitié. Je préfère te le dire et être honnête. Certains trous beaucoup trop gros pour se donner énormément de jeu en fait d'ajustement. Et là, par exemple, sur des vis à tête japy, c'est-à-dire que tu as un côté bombé sans empreinte, et puis dessous, tu as un carré, ce qu'on met généralement sur des volets, par exemple. Et bien là, ici, c'est le cas, et le problème, donc, ils font juste la longueur, donc la tête carrée rentre d'un côté, tu mets une entretoise, et de l'autre côté, un écrou sans rondelle, alors qu'il aurait été nécessaire d'avoir des rondelles, et puis il y a un autre endroit aussi, ici, il aurait été quand même judicieux de mettre des rondelles. Il n'y a pas de rondelles de prévu. Et ici, le trou ne correspond pas. Donc il n'y a pas grand-chose. Mais t'as beau, étant donné que c'est des têtes japy et que la tête est pour rentrer est guidée dans un carré, eh bien, le trou ne correspond pas. Donc la solution, c'est quoi? La solution, eh bien, c'est d'agrandir l'alésage, d'agrandir le trou pour pouvoir... Eh bien, gagner en jeu et pouvoir faire passer la tête. Donc, déjà après 5-10 minutes d'assemblage, le constat n'est pas terrible. Bon, allez, je vais percer du coup, plutôt que de gagner sur un seul,
Je vais percer légèrement au-dessus, 1 demi-millimètre de chaque côté pour gagner sur les deux et bien pouvoir rentrer mes deux vis parce que je peux rentrer une d'un côté mais pas l'autre de l'autre côté. Bon, comme tu peux le voir, les pieds sont montés, le système de pliage hop, fonctionne. Je vais la retourner et puis on va continuer et puis on va voir un petit peu la suite de l'opération. Alors, comme tu peux le voir, la scie est sur ses pieds. Quand je l'ai déballé, j'avais trouvé une vis de 5 comme ça, qui était tombée par terre là dans les graviers, parce que ici le sol c'est des graviers. Et je l'avais mis de côté, et en fait, je ne sais pas si tu vois la caméra, mais cette partie-là, là, eh ben, en fait, n'est pas serrée d'origine. Ce qui fait que, donc, normalement, il y a sur les autres une rondelle classique plus une rondelle frein. Et donc, cette vis vient maintenir ce morceau de ce côté-là, il en manque une. Donc je ne sais pas où est la petite fixation non plus. Normalement, tu as des espèces de carrés. Je vais te faire un gros plan parce que tu vois, c'est des choses qui m'insupportent sur des appareils neufs. C'est que les trucs ne sont pas bloqués, ça se desserre et puis après tu retrouves les morceaux un petit peu partout quand tu les retrouves. Donc tu vois, comme je te le disais, il manque la vis ici. Alors je ne sais pas si tu vas voir, mais voilà, tu la vois la pièce dans le rail qui vient permettre eh bien, de visser les vis. Donc je ne sais pas si elle est quelque part dans le rail, il va falloir que j'essaie de la chercher. Bon, on va installer le carter de protection. Alors là, tu as un trou, je suppose, pour aller chercher le cache-lame là. Je pense qu'il a été prévu pour des doigts d'enfant. Je vais essayer de te montrer ce qui se passe. Regarde à ce niveau-là, là. La pièce en aluminium, là, tu vois, quand tu montes la lame. Alors, je vais essayer de la monter assez rapidement. Tu vois ce qui se passe? L'ensemble aussi de droite et de gauche. Voilà, regarde. Je vais bouger la table aussi, mais on voit bien que sans exercer une grosse force, l'ensemble bouge. Alors, désolé pour la luminosité là. On est le soir et donc le but de la manœuvre, en fait, c'est déjà de régler alors l'axe de fixation du carter. Donc, dans un premier temps, il va falloir voir si l'axe ici du support de carter se trouve 10 mm au-dessus du haut de la lame, de la plus haute des dents. Donc pour ça, tu vois, tu as une vis ici que tu vas venir aller chercher avec une clé de 10. Et puis, il y a un grand trou oblong, alors que tu vois probablement pas parce que la luminosité n'est pas top. Mais tu vas le voir quand je vais le faire. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma plaque de mélaminé. Je vais mettre le haut de ma dent au plus haut. Voilà. Et maintenant, il suffit de remonter encore un petit peu pour arriver à mes 10 mm. Donc là, je le fais de ce côté pour que tu puisses, à la caméra, tu vois, voir le principe, mais je vais mesurer de ce côté pour pouvoir venir serrer de l'autre avec ma clé. Voilà donc, mon couteau diviseur est réglé. Je vais pouvoir venir y mettre mon petit carter. Ici sur le bout, tu vois, tu peux venir y stocker une lame ou deux, et puis il y a les clés qui te permettent de régler absolument tout, le couteau diviseur, desserrer la lame, etc. Comme tu peux le voir, la scie est installée, déployée. J'ai essayé de procéder à certains réglages, mais je t'avoue que je ne sais pas si je couperai ça au montage, mais que clairement j'ai envie d'arrêter la vidéo là et ne pas sortir cette vidéo.
Si je la sors, eh ben, tu comprendras pourquoi et je couperai pas cette séquence au montage. Tu comprendras pourquoi très probablement à la fin. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors pour vous, bien sûr, la suite continue, n'est-ce pas? On va se faire les tests. Je vais te parler des caractéristiques. Mais pour moi, ça sera un autre jour. Les capacités théoriques, donc 6 mm de coupe sur du métal, du bois, with nails, donc même avec des clous des vis. On peut couper jusque 83 mm de hauteur à 90, 58 à 45, et ça, c'est les dimensions maximales de la table, donc 1,20 m par 64 cm, le couteau diviseur qui fait 1,8 mm d'épaisseur. Alors, j'étais en train d'essayer de procéder à différents réglages de la scie. D'abord, la planéité entre la table ici et cette partie-là qui se déplace. Le seul problème, c'est que si tu veux avoir ce plateau au même niveau que là, c'est très difficile. Je te montre pourquoi. C'est qu'il y a énormément de jeux. Alors là, il n'est pas verrouillé, mais même verrouillé. Tu vois, tu as toujours du jeu, donc très difficile de régler la hauteur ici, et pour cause, ce jeu. Alors, je vais te montrer pourquoi il y a ce jeu. Donc, ce qui fait la butée quand ta table arrive au bout, en fait, c'est ni plus ni moins que le cache qui se trouve là. Le problème, c'est que les caches, ils ne tiennent pas. Tu vois, quand tu arrives en butée, paf, tu vois ce qui vient de se passer, le cache qui sert de butée ne tient pas. Première chose, donc ils auraient pu très bien faire un petit perçage, mettre une vis, un écrou de l'autre côté, laisser poursuivre la vis et la vis viendrait en butée. Alors on perdrait 1 cm ou 2, mais à la limite, au moins on aurait une vraie butée. C'est ce que je vais faire. Je vais faire ça comme modification. Donc ce qui nous permet de voir le système de guidage, c'est ni plus ni moins que une roue. A énormément de jeu hein, qui est serré mais qui a énormément de jeu et ce qui fait qu'on a du jeu tu vois je vais te montrer ça c'est que on a une roue alors je sais pas si tu vas voir l'affichage mais là qui fait allez 28,2 alors là je sais pas si tu vois l'affichage mais en gros on a une gorge ici du rail qui fait 29 et donc tu vois, on a ce jeu. Du coup, prochaine modification, c'est que je vais remplacer ces roulettes de plastique, j'allais dire un gros mot, mais enfin bon, bref, par ce qu'on appelle des roulements roulettes avec soit un PTFE en extérieur ou un espèce de plastique qui fait 29. Et du coup, donc ça se trouve, hein, et du coup, on pourra avoir un guidage qui sera bien meilleur que celui-ci. Alors, on se retrouve maintenant de ce côté pour le chariot et le rapporteur. Donc, ici, regarde. Le chariot ici a énormément de jeu. Donc, il va falloir solutionner ce problème. Et alors. C'est délicat de le voir, mais tu dois le voir bouger. Je vais essayer de maintenir le truc. Tu vois? Là, il y a du jeu comme ça et il y a du jeu comme ça, alors qu'il est serré ici, tu vois? Donc ça, il va falloir solutionner ce problème de jeu si tu veux également de la précision sur cette scie. Ensuite, on se retrouve ici. Donc ici. Tu déverrouilles ton inclinaison de lame. Ici, tu vois, tu as deux butées. Une pour le 90, une pour le 45. Donc, tu peux régler ici tes butées. Ça, c'est bien. Maintenant, regarde. Alors, je ne sais pas si on va être pile en face. Donc, l'indicateur ici, quand je suis à zéro, tu dois pouvoir distinguer à peu près que le trait rouge est parallèle à l'indication, enfin le trait noir qui se trouve derrière, tu vois, c'est pas facile à filmer, tu vois comment a été collé l'autocollant. Par contre,
Alors là, je ne sais pas si ça va être flagrant à l'image, mais si je maintiens à 45, alors là, tu ne vas pas le voir, je vais essayer de me déplacer. Quand tu arrives à 45, eh ben, le trait rouge, il n'est plus du tout parallèle. À ton indication, donc tu prends quoi? Tu prends la partie haute ou tu pousses un peu plus et tu prends la partie basse. Donc se fier aux graduations, ça va être compliqué. Moi, je te conseille un inclinomètre ou au pire une équerre pour le 45, voire des équerres qui te permettent de régler plusieurs angles, plusieurs angles. De plus, tu vois, ce petit indicateur, tu peux aller le régler ici. Cependant, tu vois, quand tu te mets en face, c'est un peu galère d'aller chercher la vis avec un tournevis. Donc, il va te falloir peut-être un petit cliquet, un embout cruciforme pour aller le chercher. Un point qui peut être intéressant sur cette scie. Donc, ici, tu as la poignée qui te permet de lever la lame et quand tu viens la pousser, l'engrenage se prend dans l'inclinaison et tu peux régler ton inclinaison avec la même poignée. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Si quand tu es en train de regarder au-dessus avec ton inclinomètre ou ton équerre ou ton appareil qui te permet de mesurer l'angle et de venir un petit peu précisément. Précisément, c'est relatif parce que tu vois quand même un certain jeu entre la crémaillère, disons du haut, et le pignon. Donc, je ne sais pas si en dévissant les vis ici, il est possible de redescendre un peu cette crémaillère. Il va falloir vérifier si c'est le cas. Donc, je viens de desserrer, tu vois, peut-être avec le trait de sciure. Donc j'ai desserré les trois vis et tu peux descendre, enfin sur la mienne en tout cas, j'ai pu descendre à peu près 2 mm, ce qui fait que quand je mets le pignon dedans, tu vois, tout de suite, quasiment je bouge, j'ai quasiment plus de jeu. Bon, à savoir quand même que le pignon est en plastique et la crémaillère également, ce qui fait que faut y aller gentiment, avoir bien desserré la manette, pas trop forcer parce que le plastique, ça va s'user. Autre problématique, donc avec le guide, tu vois, je t'ai mis la lumière en face pour que tu vois mieux. C'est le fait qu'il soit bien parallèle à la table. Donc là, je sais pas si. Alors, je suis dans le trou. Voilà, je sais pas si tu vois bien, mais en gros, ça touche en bas et ça touche pas en haut. Et si je mets au plus loin de la caméra, tu vois, c'est le même problème. Donc en fait, ça, c'est censé être réglable ici. Tu desserres tes deux vis et tu viens positionner ton guide parallèle bien d'équerre et tu viens resserrer. Le problème, moi, sur la mienne, c'est que donc mon guide est censé revenir. Je te remets l'équerre ici. Donc tu vois bien qu'il est censé revenir comme ça. Le problème, c'est que ici, les alésages, les trous dans le guide sont déjà embutés sur mes vis. Donc, quelle est la solution? Est-ce que il va falloir que je reperce un peu plus grand pour me donner un peu de jeu? Mais j'ai toujours la problématique que le rail ici, alors là, il est verrouillé, mais que, je sais pas si tu vois, lumière est tombée, mais que le rail ici a du jeu. Alors pas trop parce que quand le guide là, est rentré à fond, il n'a pas trop de jeu, mais dès l'instant qu'il est sorti un petit peu, il en a beaucoup plus. Donc il va falloir régler cette problématique-là. Donc je ne te parle même pas du réglage de parallèle du guide par rapport à la lame. Donc la lame, tu as une petite possibilité de réglage, mais tant que rien. Rien, enfin que tout a du jeu encore pour le moment, que j'ai pas fait encore de modification réellement, je m'y attarde pas, mais pour ça, ben, il suffit de dévisser là, il suffit de dévisser les deux vis qui se trouvent de l'autre côté, et puis là-bas il y a des trous oblongs, et ça te permet de pouvoir jouer un petit peu comme ça, mais ça, je le regarderai qu'à la fin, quand j'aurai, si j'y arrive, plus de jeu nulle part.
Autre problématique que j'ai, donc ici, quand tu mets ton petit curseur à 0, tu es censé pouvoir lire ta mesure ici entre ton guide et ta lame, donc ta coupe. Et donc le problème, c'est que ici, quand je me mets à 0, ici, je me mets à une valeur, admettons 100 mm, je coupe un morceau, et eh bien, j'ai pas 100 mm. Donc, et j'ai moins de 100 mm. Donc là, je ne sais pas si tu le vois, mais en gros, mon réglage, tu peux régler ce petit curseur pour l'ajuster et être pile poil. Mon réglage, c'est que mon curseur est poussé au maximum ici, et il faudrait que je le pousse encore plus. Alors, pour ça, ce que je peux faire, c'est que, je vais verrouiller le truc, c'est que je me... Alors là, tu vois, de dingue. C'est que je me mette entre 1 et 2 mm la pointe. Alors toi, ça doit être décalé parce que l'axe de l'objectif est décalé, mais peu importe. Que je me mette comme ça ou que je décale même un petit peu plus et puis que je puisse régler ici. Donc en gardant en tête il va falloir que je mette, admettons, 2 mm de plus systématiquement pour être à la cote ici. Donc ça, c'est encore un problème. Donc ici, on est au taquet, on ne peut pas le bouger, et ici, il n'y a pas de réglage. Donc il va falloir aussi solutionner le problème si je veux pouvoir utiliser la graduation de la machine. Si je ne veux pas utiliser la graduation, ben, je prendrai mon équerre à 1 mètre ou quoi, et je me mettrai à la dent dont la voie est le plus intérieure pour avoir une mesure. Autre chose également, c'est la tubulure. La tubulure est... de faible épaisseur, les tubes, et donc ne t'avise pas à serrer trop fort, sinon tu vas déformer tes tubes, ils vont se retrouver ovales. Bon, je pense que tu l'auras compris, avant d'utiliser cette scie, il va y avoir du boulot. Il va falloir tout régler, essayer de diminuer un maximum tous les jeux possibles pour avoir un minimum de précision. Donc que ce soit le guide là, le chariot, le truc, enfin voilà, je t'ai fait un peu le détail de tous les points noirs, je dirais, de la machine. Je t'ai pas dressé vraiment de points positifs. Tu as aussi la flexibilité ici là du cache de la lame qui est vraiment petite, enfin petite. Petite qualité, beaucoup trop souple. Alors, est-ce que je vais voir pour le rigidifier, pour en faire un autre, pour enfin, voilà. Donc, tu as bien compris, oui, que il va falloir passer du temps avant que cette machine soit précise et utilisable dans les meilleures conditions. C'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vais pas faire de test de coupe de quoi que ce soit. J'en ai fait, hein. Il y a de la poussière un peu partout. Mais je préfère solutionner les problèmes, faire une autre vidéo pour t'expliquer ce que j'ai mis en place sur cette scie, toutes les modifications, réglages, pour arriver, je l'espère, à quelque chose de fonctionnel. Maintenant, il faut garder à l'esprit que voilà, c'est une machine d'entrée de gamme, c'est pas de la machine industrielle, professionnelle qu'on pourrait trouver. Avec du guidage linéaire, des roulements, des excentriques qui te permettent de tout régler bien et sans avoir aucun jeu. Non, c'est une machine qui vaut aujourd'hui entre 300 et 350 euros en fonction des options que tu choisis. Donc, ça reste de la machine entrée de gamme. Et pour de la machine entrée de gamme, bon, il faut quand même l'avouer, on a quand même quelques possibilités. Cette table qui se rallonge énormément, ça se rallonge de l'autre côté énormément. La coupe d'onglet, ce que j'appelle le rapporteur, le chariot coulissant, ce qui est des possibilités, enfin qui donne en tout cas des possibilités très intéressantes pour cette scie. Mais encore une fois, il va falloir procéder à de nombreux réglages, à quelques modifications que j'ai déjà en tête pour essayer d'obtenir quelque chose de précis et de un peu plus confortable à utiliser. Quand on va débiter du bois, des panneaux, etc. Voilà. Si malgré tout ça, cette scie vous intéresse, je vais vous mettre un lien dans la description avec un petit code de réduction, je crois que c'est 10%.
Tu as tout ça en description. Je te mets un lien aussi pour tiens, un petit inclinomètre qui te permet, si tu sais pas ce que c'est, ça te permet de prendre la référence de ta table et ensuite de te mettre sur la lame via un aimant. Alors là, elle n'est pas montée, mais tu vois, hop, pour avoir ton degré d'inclinaison par rapport à ta surface de référence. Donc vous trouverez tout ça en description. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous referai une vidéo avec toutes les modifs. Et en même temps, on se fera des tests de coupe. On pourra voir ensemble cette lame multimatériaux, la lame bois de chez Evolution. Mais pour l'heure, je préfère la rendre un peu plus utilisable. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes utilisateur, si vous avez déjà fait des modifs sur cette scie. Je sais que c'est le cas pour nombreux utilisateurs. N'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous a plu. J'ai préféré être honnête dans cette vidéo. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!